Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous présente la nouvelle petite puce Urio. Donc, c'est un petit cavalier King Charles de 3 mois et demi. Voilà, qui va faire partie maintenant des vidéos. Vous allez le voir grandir et puis tout. Hein? Et puis, surtout partager beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler sécurité. Pour condamner la porte-cabine le soir ou même la journée quand vous êtes absent. Donc, je vais vous partager le système que j'ai fabriqué tout simplement. Voilà, donc, si vous aimez cette vidéo, vous n'oubliez pas le pouce vers le haut, mais le pouce en haut. Non, pas la papate. Oh là là, on a dit le pouce et de vous abonner. Allez, belle vidéo à vous. Allez, c'est parti, direction les magasins de bricolage. Voici mes achats. Voilà une petite mousse d'isolation de tuyauterie, hein, tout simple, 1,10€, 1,20€. J'ai acheté aussi une petite chaîne. Voilà, et j'ai acheté aussi un tendeur. Donc, alors là, je vais m'accrocher, je vais voir ça. Donc, là, j'ai déjà pris une petite cote. Donc, je vais couper mon isolation. Vous allez voir que ça va très vite à faire. Donc, je prends la chaîne. Voilà. Je vais passer la chaîne dans l'isolation. Voilà, là debout. Donc, pourquoi cette isolation? Ben, c'est tout simplement pour protéger, pour éviter de rayer et d'abîmer l'endroit où que je vais mettre la chaîne. Voilà, donc j'ai la chaîne. Hop, j'ai deux petits riselants. Voilà, deux petits riselants que je vais mettre juste à la fin ici. Je vous ferai voir ça après. Voilà, donc là maintenant je vais tout mettre en place pour vous faire voir. C'est pas tellement évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour arriver à filmer l'emplacement. Allez, c'est parti. Voici le système posé. Donc là je me suis pris sur la poignée de la porte. Et donc on voit la chaîne. J'ai mis une protection aussi en mousse. Au niveau de la poignée de porte, on voit le tendeur. Et là, je me suis pris sous la table. Voilà, donc on retrouve aussi la mousse. Voilà, on voit la mousse aussi de protection pour éviter d'abîmer le pied de table. Et donc là, en plus, avec le tendeur, ce que je fais, c'est que je mets, j'accroche le tout avec un cadenas, comme ça pas question de venir desserrer le tendeur. Voilà, donc voici les deux petits colson, donc un ici et puis un de l'autre côté, donc qui me servent à tenir la protection pour éviter d'abîmer pour moi le pied de table. Mais disons que vous pouvez l'attacher à un pied de table,
n'importe quoi, savoir, voilà. Bon, ben voilà, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc, si vous aimez, vous n'oubliez pas le pouce vers le haut et de vous abonner. Hein. Et puis, à une prochaine vidéo. Allez, Uriot, on dit au revoir. Au revoir, les amis. À bientôt. Oui. Allez, à une prochaine.